USA 2018, élection de mi-mandat. Ces élections de mi-mandat pourraient bien se transformer en référendum pour ou contre Donald Trump. Les républicains se trouvent face à un dilemme. Faut-il défendre aveuglément la politique du président ou au contraire prendre ses distances avec la Maison-Blanche? Katie Arrington a fait son choix. Cette jeune femme de Caroline du Sud se présente pour la première fois à la Chambre des représentants. Elle s'affiche comme une fervente partisane de Donald Trump. It's time for a new Republican voice in Congress. It's time for a conservative who will work with President Trump, not against him. It's time for an outsider who can help end the corruption of career politicians. L'effet Trump a été payant. Katie Arrington a remporté les primaires face à un autre conservateur, Mark Sanford, connu pour ses critiques fréquentes du président. Des critiques que Donald Trump n'a pas oubliées. Mark Sanford ne m'a vraiment pas aidé pour ma campagne Make America Great Again. Je soutiens pleinement Katie Arrington en tant que candidate pour le Congrès. Certains républicains sont tellement dépités par Donald Trump qu'ils ont décidé de jeter l'éponge. C'est le cas de Charlie Dent, un député conservateur modéré de Pennsylvanie, visiblement très remonté contre le président. Son discours d'adieu devant la Chambre des représentants a pris des allures de règlement de compte. Too many Republicans expect unquestioning, blind unquestioning loyalty and obedience to President Trump, no matter how absurd or destructive the comment or behavior. Selon les députés, l'attitude du président a eu des effets désastreux pour le pays. We've already seen a rise in the three-headed monster of isolationism, protectionism and nativism. These are not qualities of a great nation. Plus de 40 républicains ne vont pas se représenter à la Chambre. Les démocrates espèrent en tirer profit et ils ont des raisons d'être optimistes, nous explique notre correspondante à Washington, Anne Corpé. Midterms, mode d'emploi. La Chambre des représentants compte 435 élus. Tous remettent leur siège en jeu en novembre pour un mandat de 2 ans. Chaque État a un nombre d'élus qui dépend de son poids démographique. Les démocrates doivent ravir 23 sièges aux républicains pour conquérir la majorité. Un objectif à leur portée. L'enjeu est crucial. En prenant le contrôle de la Chambre, les démocrates seront en mesure de bloquer le programme législatif de la Maison-Blanche. S'ils l'emportent, ils présideront par ailleurs les commissions qui ont le pouvoir de lancer des enquêtes. Il pourrait ainsi assigner les ministres de Donald Trump pour des auditions sous serment sur des sujets aussi variés que le budget, la défense ou la justice. La Chambre des représentants a aussi le pouvoir de lancer une procédure de destitution contre le président, mais elle ne peut la faire aboutir sans une large majorité au Sénat. Pour mobiliser les électeurs, les démocrates pensent avoir trouvé un thème porteur. Le contrôle des armes. De plus en plus de candidats en parlent, comme Anne Kirkpatrick en Arizona. Elle est candidate démocrate à la Chambre des représentants. Anne's committed to banning assault weapons and passing universal background checks. Il y a quelques années encore, Anne Kirkpatrick défendait un accès libre aux armes à feu, mais elle a changé d'avis depuis, comme d'ailleurs l'ensemble des Américains. D'après un sondage Gallup, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter un meilleur contrôle. À la semaine prochaine, on vous parlera d'un autre enjeu de ces élections de mi-mandat, la bataille pour les postes de gouverneurs.